Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis d'Indiana Jones de Fortnite saison 3 chapitre 3. Alors le premier défi va vous demander d'utiliser le gant cramponneur pour se propulser d'un arbre. Alors pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des gants cramponneurs de Fortnite saison 3 chapitre 3. Donc là regardez, moi je me rends à un emplacement, j'ouvre la boîte à outils, voilà comme ça. Ou alors vous cassez, hein, comme l'adversaire l'a fait pour moi. Et ensuite, vous récupérez le gant cramponneur. Donc, il faut savoir que des boîtes à outils, vous pouvez en trouver une, deux, voire trois. Donc, vous avez 80% de chances de trouver un gant cramponneur aux emplacements que je vous ai montrés en début de vidéo. Donc là, ce que vous allez devoir faire ensuite quand vous avez un gant cramponneur, c'est tout simplement vous accrocher à un arbre. Donc, n'importe quel arbre. Bon, évidemment, là, ça va pas le faire s'il m'attaque l'autre. Donc, n'importe quel arbre, vous cramponnez à l'arbre. Avec votre grappin, comme ceci. Et là, normalement, ça devrait valider le défi. Donc, regardez, je suis à 3 sur 10. Donc, hop, la 4, la 5, la 6. Donc, bien entendu, essayez de vous diriger là où il y a des arbres, hein, pour réaliser le défi. Donc, vous avez juste à vous cramponner à plusieurs arbres pour terminer le défi. Donc, à 10 arbres exactement pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Donc, voilà, dès que vous aurez fait ça, ce sera terminé. Ensuite, le deuxième défi va vous demander d'obtenir les reliques d'Herburger dans le temple et les ruines en une seule partie. Alors, pour réaliser ce défi, vous allez devoir récupérer les reliques qui se trouvent ici, donc au temple, juste ici au-dessus de Daily Bugle, et aux ruines qui se trouvent juste ici. Donc, je vais vous montrer les deux emplacements des reliques. De toute façon, normalement, elles ne devraient pas être trop loin. Donc, regardez, quand vous arrivez à l'emplacement du temple, vous avez un point d'exclamation qui vous indique l'emplacement de la relique. Donc, à mon avis, c'est dans le temple principal. On va descendre au fond, tout au fond. Ok, donc c'est bien là. On va casser le sol. Et là, regardez, il y a la relique tout près. Donc, hop, elle est derrière cet escalier. Hop, elle est juste ici. Donc, vous récupérez cette relique. Ensuite, vous allez directement... aux ruines, parce que en fait vous allez devoir les récupérer, vous allez devoir récupérer deux reliques en une seule partie sans vous faire tuer, parce que si vous vous faites tuer, ben faudra recommencer le défi. Donc faites attention et faites en sorte d'aller aux ruines le plus vite possible sans vous faire tuer. Donc les ruines, elles sont juste ici. Donc là je vais m'y rendre, je vais prendre un petit cramponneur, ça sera plus rapide. Ok, donc là j'arrive autant aux ruines plutôt. Donc là vous vous rendez ici et vous cherchez après le petit point d'exclamation. Donc regardez juste ici. Vous ramassez la deuxième petite relique et là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires en étant à bord d'un véhicule ou en se tenant dessus. Alors pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille c'est de vous rendre directement à Tilted Tower juste ici. Comme ça, vous allez pouvoir trouver des véhicules plus facilement. Et ensuite, il faudra infliger des dégâts à des adversaires. Alors, peut-être que ça fonctionne contre les bots, donc les personnages non jouables du jeu. Mais je ne suis pas sûr. Donc, tout d'abord, il vous faudra au moins une arme. Et donc, quand vous avez votre arme, vous allez dans un véhicule. Et là, vous allez vers les adversaires. Regardez, là, il y a justement une personne dans un véhicule. On passe passager, on sort la mitraillette et on inflige des dégâts à l'adversaire qui est juste devant nous. Donc voilà, parfait. Donc là, j'ai carrément réussi à le tuer. Vous allez devoir faire ça plusieurs fois pour infliger un total de 500 dégâts en étant dans un véhicule. Donc là, j'ai infligé pour 150 de dégâts. Voilà, il faut infliger 500 de dégâts. Dès que vous aurez infligé 500 de dégâts, bah là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc là, regardez, je vais essayer de le faire contre un bot. Et je pense que ça ne fonctionnera pas. Sinon, ce serait trop simple. Par contre, peut-être que contre les loups, ça peut fonctionner. Donc, vous trouvez un véhicule, vous vous mettez à l'arrière en tant que passager. Ensuite, vous attendez un loup. Enfin, si vous voyez un loup, bah, vous lui tirez dessus. Là, j'ai vu qu'il y avait un personnage, donc je vais essayer de lui tirer dessus. On lui a infligé des dégâts.
Enfin bref, dès que vous aurez infligé 500 de dégâts à un adversaire, ben là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de fouiller des coffres à Shifty Shaft. Alors, pour réaliser ce défi, c'est très très simple, vous avez juste à vous rendre à Shifty Shaft, juste ici, et fouiller 5 coffres pour terminer le défi. Alors moi j'ai une petite astuce pour vous parce que ben, dès le commencement des défis de Indiana Jones, le problème c'est que tout le monde se rend à Shifty Shaft et c'est compliqué d'ouvrir un coffre. Donc moi je vais essayer de me rendre dans la montagne qui se trouve juste ici, donc il y a une mine dans cette montagne. Donc je vais rentrer dans la mine et normalement bah, les joueurs vont tous se rendre là dans Shifty Shaft. Hein. Regardez, vous voyez, ils vont tous dans Shifty Shaft. Je pense pas qu'ils auront... Ah, il y en a peut-être un ou deux qui y pensent. Regardez, lui il a pensé à aller dans la mine. Ça va peut-être un peu... Ça va peut-être compliquer les choses. Mais bon voilà, franchement vous aurez une personne qui vient dans la mine avec vous comparé à 50 000 personnes qui vont... en bas de Shifty Shaft. Donc voilà, la meilleure astuce, moi, c'est de venir ici. Ce que je vous conseille, c'est de venir ici. Donc voilà, dès que vous aurez fouillé 5 coffres, ben là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Alors, le prochain défi va vous demander de trouver la porte secrète derrière la grande salle à Shuffled Shrines. Donc, Shuffled Shrines, c'est juste le nouveau lieu à côté de Burg Genesi, donc juste ici. Donc, rendez-vous à cet emplacement et je vais vous montrer l'emplacement de la porte secrète. Donc déjà, j'ai un peu du mal à m'y retrouver, mais c'est pas trop compliqué de la trouver. Donc regardez, là, il y a une grande racine qui sort du sol et qui passe à travers les ruines. Donc là, vous tombez là où il y a la grande racine et là, regardez, il y a une porte. Alors cette porte, vous allez devoir l'ouvrir avec un code. Donc le code, vous voyez, c'est 3 symboles. Il y a 4 fois 3 symboles. Et vous allez devoir trouver tous les symboles correspondants. Donc je vais vous montrer les emplacements des symboles. Donc ici, vous allez monter les escaliers sur la droite. Ensuite, vous montez les escaliers encore. Voilà. Là, vous montez par ici. Vous allez par là. Et là, regardez. Si je ne me trompe pas. La première pierre se trouve juste ici. Voilà, vous voyez. Après, les ruines, j'ai l'impression qu'elles changent. Je pense que les ruines changent en fonction de chaque partie. Mais regardez, il y a une ruine, un code qui se trouve juste ici. Une ruine qui se trouve juste ici, exactement. Donc ça, c'est la deuxième rune. Je vais vous montrer la première rune. J'ai vraiment l'impression que les fondations changent entre chaque partie. Mais si c'est le cas, c'est un truc de ouf. Ok, peut-être pas, parce que regardez, là, il y a un escalier qui descend. Vous allez prendre l'escalier qui descend juste ici. Ensuite, la pierre, normalement, la rune devrait se trouver par ici. Ah, elle est là. Voilà, regardez, juste ici. Donc ça, c'est la première rune juste à gauche. Regardez, hop, en bas à gauche, ce sera cette rune-là. Donc, retenez, c'est orange. La couleur orange en bas à gauche. Après, le code est différent entre chaque partie. Hein. Mais moi, c'est orange. Ensuite, en haut, je ne sais plus ce que c'était. Je vais retourner pour voir. Je crois que c'était bleu, mais je suis plus sûr. De toute façon, il y a que 3 couleurs. Non, c'était jaune. Orange, jaune. Maintenant, je vais aller voir le troisième emplacement. La troisième rune. Troisième code, voilà, qui est juste ici à droite. Donc, c'est orange, jaune, bleu. Et le quatrième emplacement, voilà, il est ici, juste à droite. C'est orange, jaune, bleu, orange. Jaune. Orange, jaune, bleu, jaune. Orange, jaune, bleu, jaune. Donc là, je retourne près de la porte et je vais rentrer le code. Donc orange, jaune, bleu, jaune. Orange, orange. Jaune, bleu. Jaune. Voilà, normalement, ça devrait ouvrir la porte. Voilà, parfait. Dès que vous avez ouvert cette porte, bah, vous passez à la porte, hein, tout simplement. Vous allez derrière. Voilà, et vous découvrez, oh là, il y a des pièges et tout. Vous découvrez ce qui s'y cache. Je pense qu'il faut peut-être prendre la petite tomate qui est juste là. Et dès que vous aurez pris cette petite tomate, bah là, vous aurez terminé le défi. Donc moi, je le fais en mode what the fuck? Moi, je le fais en mode labo de combat pour pas être dérangé par les autres joueurs. Donc c'est normal que j'ai pas débloqué le défi. Mais vous, dès que vous aurez obtenu la relique à l'intérieur du temple, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses.
Ensuite, le prochain défi va vous demander d'entreposer des objets de niveau mythique ou exotique dans une tente. Donc pour obtenir des objets mythiques ou exotiques, il faudra obligatoirement parler au personnage. Après, je pense que vous pouvez les avoir aussi dans des lamas ou dans des caisses de ravitaillement, mais je ne suis pas sûr. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est directement d'aller à la bamboche juste ici, sur le gameplay. Ensuite, il vous faudra quand même de l'or pour pouvoir acheter une arme. Et là, vous allez près du personnage qui est juste là, et normalement, lui va vous vendre une arme exotique, si je ne me trompe pas. Non, ce n'est pas lui, donc on va lui acheter les camps cramponneurs, c'est pas lui qui les vend. Je croyais que c'était lui, mais en fait non, pas du tout. C'est le personnage qui est juste au-dessus, je crois. On va essayer de monter. J'aurais dû prendre le grappin. On va prendre le grappin qui est là. Voilà. Et on va aller près du personnage. Ah mince, qui est juste en dessous. Ok, donc on va parler au personnage qui est juste ici. Donc c'est pas celui qui se trouve dans la bamboche, c'est celui qui se trouve à l'extérieur, donc qui est l'expert des câlins. Voilà, lui vous vend une arme 6 coups d'élite exotique pour 400 lingots d'or. Donc vous achetez cette arme. Voilà, maintenant que vous avez cette arme, ce que vous allez faire pour être sûr de trouver une tente, c'est de vous diriger à Greasy Groove. Donc moi c'est ce que je vais faire. Je vais peut-être essayer de prendre une boule là, peut-être voir s'il y a une petite boule que je puisse, une boule mobile. Que je puisse choper. Après, c'est pas sûr, mais on va voir. Ouais, si, parfait. Il y a une boule mobile. Donc, je la prends. Et maintenant, je vais directement me rendre. Ah, c'est de l'autre côté. Je vais directement me rendre à Greasy Groove. Donc, c'est parti, let's go. Ok, donc, regardez. Vous n'êtes pas obligé d'aller à Greasy Groove. Hein. Vous pouvez trouver des tentes comme ça un peu n'importe où sur la map de Fortnite. Mais moi, je vais à Greasy Groove parce que je suis sûr de pouvoir en trouver. Après vous pouvez en trouver n'importe où hein. Mais voilà, je trouve qu'à Greasy Groove, en fait il y a un magasin qui vend des tentes. Il y a toujours deux voire trois emplacements de tentes qui s'y trouvent. Donc normalement il y est toujours le magasin. Oui, il y est toujours, parfait. Le magasin c'est juste... Ah, peut-être qu'il a été détruit en vrai. En vrai. Ah ouais, il n'y a plus les tentes en fait. Ouais, donc il n'y a plus les tentes, donc ça c'est un petit problème. Donc moi ce que je vous conseille alors à ce moment là, c'est de trouver une tente comme celle-ci là que j'ai trouvée par terre. Vous trouvez une tente, dès que vous avez trouvé une tente, vous pouvez les trouver comme ça, elles peuvent être posées au sol comme ça sur la map de Fortnite. Mais dès que vous avez une tente, là uniquement à ce moment là vous allez chercher l'arme et vous achetez l'arme près du personnage. Parce que si vous achetez l'arme et que vous ne trouvez pas de tente, bah, vous allez et que quelqu'un vous tue, vous allez perdre votre arme et vous aurez perdu 400 lingots d'or. Donc ce que vous allez faire maintenant quand vous avez votre arme et votre tente, votre arme exotique ou mythique, vous la placez tout simplement. Donc vous appuyez sur gérer les objets et vous placez votre arme dans la tente. Donc hop, entreposer l'objet en placement 2. Donc il faut bien sûr avoir l'objet dans votre main. Donc prenez l'arme exotique ou mythique dans votre main. Ensuite vous gérer les objets et vous placer l'arme dans la tente pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Et petite information supplémentaire, vous pouvez avoir une arme mythique grâce à votre plante. Donc là, regardez, moi, mon fruit, donc si maintenant je vais à un arbuste, bah, je vais vous le présenter, comme ça la vidéo sera complète. Je vais aller chercher mon arbuste, mon arbuste de réalité, et vous allez voir que j'aurai une arme mythique que je vais pouvoir aussi placer dans ma tente. Alors par contre, je vais récupérer ma tente. Voilà, je vais récupérer ma tente, comme ça, quand je récupérerai mon arme mythique, je pourrai la placer dedans. Alors regardez, ici, il y a un tronc d'arbre, et sur ces troncs d'arbre, il y a souvent des cosses de graines. Donc les cosses de graines, c'est les gros trucs ronds comme ça. Vous les cassez, donc vous pouvez en trouver un des cosses de graines facilement à la casquette de la réalité, ou à la bamboche, juste ici, ou à l'Oakjam Lotus, et je pense que vous pouvez aussi la trouver à Shuffled Shrines. Donc voilà, vous avez plusieurs emplacements pour trouver ce genre de cosse. Et ensuite, la cosse, normalement, vous donne 3 graines. Donc les graines, voilà, elles sont ici. Il y en a une qui s'est échappée. Voilà, je récupère ma graine. Ensuite, je lance ma graine pour faire apparaître mon arbre. Et en fait, pour que mon fruit soit mythique et me donne une arme mythique, il faut enlever les mauvaises herbes qu'il y a au sol. Donc là, bien entendu, je n'ai pas de mauvaises herbes au sol parce que, ben, voilà, mon arbre est à son apogée. Donc là, je récupère l'arme mythique. Voilà. Je récupère par la même occasion une branche, une graine. Et si je la,
Si je la repousse, non, il n'y a pas de mauvaise herbe, donc je ne peux pas vous montrer. Mais regardez, j'ai obtenu mon arme mythique juste ici, le fusil à pompe à deux coups. Alors, si vous voulez plus d'informations sur l'arbre, l'arbuste de réalité, et savoir comment obtenir un fruit mythique et obtenir des armes mythiques grâce à l'arbuste de réalité, il y aura un tuto qui vous explique, un guide complet, qui vous explique comment fonctionne l'arbuste de réalité en description, en commentaire épinglé. Donc, n'hésitez pas à aller le voir si ça vous intéresse et si vous ne connaissez pas. L'arbuste de réalité. Donc là, quand vous avez votre arme mythique, ben, vous allez gérer vos objets et vous le placer dans votre tente pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de faire rouler des rochers roulants sur 100 mètres en une seule partie. Alors, pour réaliser ce défi, moi, ce que je vous conseille, c'est de venir à la bamboche, donc juste ici sur le gameplay. Donc, vous vous rendez à cet emplacement-là. Ensuite, je vais vous montrer les emplacements des rochers. Donc regardez, il y en a un qui se trouve juste là-bas. Il y en a un autre qui se trouve là-bas. Il y en a un autre qui se trouve là-bas. Donc là, ça fait déjà 3. Ok. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est de venir juste ici, derrière la bamboche. Voilà, vous laissez tomber. Voilà. Et là, regardez, il y a un rocher juste devant vous. Donc vous allez interagir avec ce rocher, donc... La tête du nounours, elle est là. Donc, c'est derrière la tête de nounours à la bamboche. Vous venez ici et ensuite, vous faites rouler le rocher en tapant dessus 2 fois normalement. Voilà, 3 fois. Tapez dessus et regardez là, le rocher va rouler. Et il faut qu'il roule sur 100 mètres. Donc là, normalement, il a fait les 100 mètres. Voilà, parfait. Dès que vous aurez interagi avec ce rocher et qu'il aura atterri en bas, bah là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Si vraiment il n'a pas voyagé sur 100 mètres, ce que vous faites, c'est que vous allez près du rocher et vous retapez dessus pour le faire continuer à avancer et continuer à le faire voyager sur 100 mètres. Dès que ce sera fait, bah là, vous aurez débloqué les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de finir dans le top 5 d'une partie. Alors, pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement finir dans le top 5 d'une seule partie. Donc, si vous êtes en solo, il faudra attendre que 95 joueurs meurent et que vous soyez le 5e survivant, le 5e dernier survivant pour terminer le défi. Vous devez juste le faire une fois. Donc, en solo, c'est s'il reste 5 joueurs. Donc, soit vous vous cachez dans des buissons et vous jouez en mode sneaky, donc... Vraiment, vous cachez, vous prenez aucun risque dès qu'il reste 5 joueurs en dessous de votre carte, là en haut à droite, et que vous voyez qu'il reste que 5 joueurs, bah là, vous pouvez prendre le risque de finir la partie. Mais sinon, essayez de vous cacher jusqu'au bout de la partie. Donc voilà, vous pouvez le faire aussi en duo, section ou trio. Mais voilà, ce sera peut-être un peu plus simple si vous êtes à 4. Mais si vous le voulez, vous pouvez le faire en solo. Dès que vous aurez fait un top 5, bah là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires avec un pistolet. Alors, pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver un pistolet. Donc, je ne sais pas si ça fonctionne avec le revolver, mais si ça ne fonctionne pas avec le revolver, il faudra trouver un simple pistolet. Normalement, vous pouvez en trouver facilement posé au sol comme ça sur la map de Fortnite. Donc, quand vous avez votre pistolet, ce que vous allez devoir faire, c'est d'infliger 750 de dégâts aux adversaires. Donc voilà, vous infligez 750 de dégâts aux adversaires. Et quand vous aurez terminé d'infliger 750 de dégâts aux adversaires, ben là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Alors, petite astuce, si vous trouvez un requin, n'hésitez pas à le bombarder avec votre pistolet. Je pense que les dégâts seront comptabilisés. Et voilà qui termine le guide complet des défis d'Indiana Jones de Fortnite saison 3 chapitre 3. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était surtout le mec et ciao. Peace.